La ville de Homs, toujours violemment bombardée par les forces syriennes alors que les atermoiements de la communauté internationale se poursuivent. Une trentaine de personnes, en majorité des civils, ont été tuées hier dans la ville rebelle. Dans d'autres villes, de violents combats aussi et des arrestations. La Russie, qui bloque toujours toute intervention extérieure, dit étudier la proposition de la Ligue arabe d'envoyer une force conjointe ONU arabe. Sergueï Lavrov estime ici que pour qu'il y ait une opération de maintien de la paix, il faut la paix en premier lieu. Un cessez-le-feu dont on est encore loin alors que la situation humanitaire s'aggrave. Ici à Homs, on fait la queue depuis l'aube pour avoir du pain. Les étals sont désespérément vides.